Hé, ma puce, tu vas quand même pas regarder par la fenêtre toute la journée. Essaie de trouver quelque chose à faire. D'accord. Ok. On peut donc se balader. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire d'intéressant dans cette petite maison, à part se jeter dans la cheminée? Si je m'assois là, il se passe quoi? Peut-être une interaction? On va prendre la télécommande. Ah, mais c'est une télécommande free? C'est une free box que nous avons là? Ok, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'aime pas ce dessin animé de toute façon, je l'ai jamais aimé. On se casse! Ok. On peut sûrement aller à l'étage. Je vais aller taquiner un petit peu la mama. On va voir ce qu'elle a à me dire. Juste avant, on va fouiller là-haut. Hop, je vais m'asseoir partout. Je regarde une autre fenêtre. Parce que la vie est parfois compliquée, les amis. La vie n'est faite que d'amour et d'eau fraîche. La philosophie, telle est la question. Être ou ne pas être? Allez, on se casse. Ok, par où on peut passer? On peut sortir? Ah oui, d'accord, non, c'est le garage. Ok. D'accord, je peux sortir en tant qu'âme. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on a là? Arrête, mon cœur, je dois préparer le dîner. Eh, porte-moi un peu d'attention, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de me chier dessus. C'est rien. Je veux juste un cœur. Ça va beaucoup mieux. Ok, faut que je m'y remette, mon cœur. Je pouvais pas continuer cette aventure sans ce petit câlin, merci beaucoup. Ah putain, il y a un paquet de cookies. Gâteau. Je peux avoir un gâteau? Bientôt l'heure de manger, chaton. Si t'en manges un, tu n'auras plus faim pour le dîner. Oh là là, oh ça m'énerve les gens qui disent ça. Bon, ils ont pas tort. Je veux un putain de gâteau. Donnez-moi un gâteau. Ok, c'est le même endroit. En fait, on peut pas courir. Oh, on peut sortir. Hop, je me casse. Jody, à moi la liberté. Où est-ce que tu vas? Nulle part, je voulais juste regarder dehors. Voilà. C'est tout pour moi. La femme qui craque au premier coup de pression. Ok, direction ma chambre. Mais au final, je suis pas né dans le centre, ils ont menti. Enfin, elle a menti. Ok, c'est ma chambre. Ok, je peux dessiner quelque chose. On va dessiner. Vous savez quoi, j'ai envie de dessiner. C'est un peu mon âme d'artiste qui remonte là tout de suite dans cette vidéo. Je suppose que je vais encore dessiner Aiden. Oh, putain, les coups de crayon, ils rigolent zéro. Hein. Ok. Voilà, c'est tout pour moi. C'est exactement le même dessin que 70 000 autres dessins. Ok, d'accord. Une petite peluche lapin rose dégueulasse. Voilà, ça m'a saoulé. Je me suis bien reposé. Je fais un maximum d'interactions, sait-on jamais, les amis. Putain, on met le lapin pile poil à sa place et tout, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Des petites poupées. Oh, bonjour madame la fée. Ça vous dirait de venir chez moi pour prendre le thé? Oh oui, j'en serais ravie. Je suis sûr, on va avoir une... On a pris une voix déjà grâce à ça. J'adore. La voix de la poupée. Ok. Oui, c'est moi qui l'ai choisie. Et même qu'elle va vraiment super vite. Oh, carambolage, 12 morts. Ouais, c'est vrai que j'ai senti la vitesse. On y est. Allez, venez, c'est par là. C'est
C'est mignon, non, c'est mignon, franchement les gars, c'est mignon. Waouh, quelle belle maison vous avez. Oui, j'en suis très contente. Mon mari me l'a offerte pour mon anniversaire. Vous voulez un peu de sucre dans votre thé, Madame la Fée? Oh non, merci. Et alors, comment va votre mari? Ça va, il travaille en ce moment. Ah oui, elle a quand même la tête à l'envers. Il est vraiment très beau. Arrête ça, Aiden, je t'ai déjà dit, j'ai plus envie de jouer avec toi. Intéressant. Une petite engueulade. Ok, est-ce que si je retourne sur les poupées... Non. Non, c'est vrai qu'Aiden a un peu cassé le délire. Ah bah j'étais à fond dedans, hein. Même moi je me prenais à l'histoire et puis... Puis j'ai été un peu pris... pris en cours de vol quoi, c'est vrai que c'est un petit peu la chute hein, comme on dit. Est-ce qu'on peut voir Aiden apparaître? Wow! Les gars, tranquille! On peut donc le voir apparaître. Par contre, ma mère s'en bat les couilles que je crie comme ça. Oh, les chiottes. Ça, Jody, c'est... chérie, tu peux me rendre un service? Oui. Tu peux aller dans le garage me rapporter une bouteille d'huile? Bien sûr. D'accord, je m'en occupe. Ok, on a fait tout ce qu'il y avait à faire à l'étage, normalement. C'est plutôt cool. Ah. Ah, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Encore un miroir. Je pense qu'on peut le voir dans tous les miroirs. Non, c'est pas ouf. J. Jody. Non, Aiden. Maman va se mettre en colère si on joue avec ses affaires. Ah oui, putain, elle était face... Tout ça grâce à un petit coup de main, tu peux effacer du rouge à lèvres d'une vide, c'est incroyable. Tu as donc des pouvoirs bien au-delà de l'imagination. Ok. Je pense qu'il faut que je fasse vite parce que si je lui apporte pas l'huile, elle va aller la chercher elle-même. Donc il faut qu'on fasse un maximum d'interactions. Allez, c'était nul. Ah, c'était sans doute le truc à pas faire. Sans doute l'erreur du joueur français. Ok, on va essayer de passer par ici. Ok, là, il n'y a rien. Et là, on peut pas s'asseoir. Très bien. Ah, on a quelque chose tout en haut. Oh, une boîte. D'accord, attendez. Vous sentez la bêtise arriver? D'accord. Ok, je suis caché. Ok. Eh, c'est toujours bon à noter, les mecs. C'est toujours bon à noter. On peut se cacher. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, je vous avoue. On va aller dans la pièce d'en face. Ah. Ah. En fait, je suis quasi sûr que les scientifiques ont tué ma mère. Allô? Non. Salut, comment vas-tu? Très bien, merci. Il fait un temps horrible en ce moment. Toute cette neige. J'espère que ça va bientôt fondre. Les enfants deviennent insupportables quand ils peuvent pas jouer dehors. Aiden, arrête ça! Alors ça, les gars, vous saviez quand on jouait au Takiwaki quand on était gamin? Oui, parce que je jouais au Takiwaki, hein, les téléphones portables. Bon, bref, c'était révolu. Quand on jouait au Takiwaki et que des fois on entendait, on captait une station de radio ou des gens qui parlaient avec un autre Takiwaki à 8 km, c'était terrible, ça me faisait énormément peur. S'il te plaît, Jody, je suis occupé. Et c'est vrai que les Takiwaki, c'est devenu un petit peu un enfer. Mais il est là, mon daron. Mais j'ai un daron, en fait. Père indigne! Je me casse! Attends. Je pourrais pas me planquer par hasard. Bougez pas. Non, il veut pas. Il veut pas, il a dit c'est mieux que je parte. Il m'a fait un petit regard Scarface, tu sentais que ça allait partir très vite en... En lever de pied, donc on va chercher l'huile. Parce que là, le gâteau, les gars, il est cramé à 800 degrés. Jody? Oui? Tu m'as rapporté l'huile? Je m'en occupe! J'arrive! Ouais, force de ouf la mère aussi, hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible, la force un maximum. On va aller chercher l'huile, les gars. Voix non empruntée, il n'est jamais allé chercher l'huile.
Ça a changé sa vie, ça a bouleversé sa vie. Ceci n'est pas un prank. Épique réaction. Ok. D'accord. Je route un garage comme ça, cousin. Tu m'appelles. Petit garage américain. Non mais les gars, c'est quoi ça, cette tête là-haut là, frère? À quel moment dans un garage tu mets une tête comme ça? Non mais gros, ton huile, faut pas se foutre de ma gueule. Elle est où l'huile? Ah oui, en plus les Américains sur l'huile, ils rigolent zéro, hein. M'en fous, j'ai pas peur. Tu ne me feras pas peur, Aiden. J'ai connu bien pire. La porte qui se ferme, hein. Non, c'est bon. Ok. Alors là, avec ça d'huile, t'as du diabète instantanément, hein, les gars. Y a pas de deuxième solution possible. Merci, mon cœur. D'accord. Qu'est-ce que je fais là? Je retourne dans le garage ou pas? Eh, mon cœur. Oui. Pourquoi t'irais pas jouer un peu dehors? Ah, d'accord. Je t'appellerai pour le dîner. Tout à l'heure, j'ai voulu jouer dehors, tu m'as mis un coup de pression. Et maintenant, tu me proposes de dégager? C'est pas très malin. On se casse. Ça m'a saoulé. Je suis équipé comme Jaja. Allez, on est parti. Doit y Jody, avoir tellement où est-ce que tu vas? Mais... Le jardin est de l'autre côté, chaton. Ah oui, non mais ça va, oh, on peut plus jouer sur la route en paix maintenant. La mère, elle entend tout, elle voit tout. Ok. Direction le jardin. Bon, d'accord. Adieu. La gueule. La gueule, les gars! Ok. Super, maintenant je peux m'ennuyer et avoir froid. Mais ça, tu t'en fiches, pas vrai, Aiden? Toi, t'as jamais froid. Ok. Il y a des petits trucs à faire, on va éviter de tout bouleverser. Ok, ça c'est quoi déjà ce signe-là? D'accord. Ok. Aiden, il veut jouer au foot. Je sens que c'est un footballeur. Arrête un peu, Aiden. J'ai pas envie de jouer. Aïe, aïe, c'est froid. Ah. Ça peut être intéressant. Il y a quelqu'un qui joue. Ok, il y a une petite bataille de boules de neige qui s'est perdue. T'as entendu ça? Ça venait de la rue. Ok, on peut y aller. On peut y aller, les gars. On va y aller, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que vous croyez qu'en bougeant les sièges... Ah non, ça m'étonnerait. Attaquez-moi. Je peux pas monter là-dessus. Je peux te dire que tu vas me le payer. Il est là-bas, derrière. Je t'ai eu. Je crois que je sais comment je pourrais m'amuser. Je peux te dire que tu vas me le payer. Ouais, prends ça. Je sais, on n'a pas le droit d'aller dans la rue. Allez, on va juste jouer 5 minutes et on revient. Maman le saura même pas. Ah! Vaut mieux pas. J'ai pas envie d'irriter ma mère. Est-ce que si je rentre, en vrai, je me fais embrouiller ou pas? C'est la question. On va tester, voir les possibilités du jeu. Je trouve que c'est aussi ça d'intéressant. Parce qu'il faut pas faire cette bêtise. Allez, vas-y, lance-la. Non. Elle veut pas. Elle a dit je veux impérativement aller de l'autre côté. J'ai essayé, les gars, j'ai essayé voir si ça pouvait modifier quelque chose dans l'histoire. Et ça ne modifie pas grand chose, mais bon. Je ne regrette rien, les amis. Ok, par où on peut passer? C'était par ici. On n'a pas trop le choix là, vous l'aurez compris.
Il est là-bas, derrière. Je t'ai eu. Tu pourrais au moins me donner un coup de main, Aiden. Aiden, t'es le meilleur. Ok, on va passer subtilement. Grâce à une technique iroquoise apprise par les moines Shaolin. Hé, hey, Jody, tu veux jouer avec nous? Allez, dépêche-toi, va te cacher, tu vas te faire avoir. Ok. Ah, c'était nul. Ah, mais j'ai visé quelqu'un. Putain, je suis une machine. Allez, hop. Je la visais pas, à tout moment j'arrache qui je veux. D'accord, je me rends, ça suffit, j'abandonne. Tiens, dans ta gueule. Il est là-bas, derrière. Tellement simple ce jeu. Je t'ai eu. Ok. Hop, toi je t'ai eu. Ouais, c'est vrai que quand je tends une boule de neige tout droit. On y va, allez, on va le faire. Arrête, ça suffit. Hop. Oui, je la jette tout droit, ça va directement à droite. Tu m'auras pas. Hop. Et sans regarder, c'est ça qui est beau. Ah bah, c'est la magie du cinéma, hein. Regardez. Allez, dans ta gueule. Cette fois, t'es foutu. Je t'ai eu. Non, non, mais lâche-moi. Non, non, arrête. Ah non, mais là ça va le tuer, vous êtes fou. Non, je peux pas le faire. Non, mais vous êtes fou, je vais pas tuer un gamin. Même si ça fait partie de l'histoire, il y a forcément une autre solution. Je peux pas. C'est un gamin. C'est bon? Voilà, c'est bon. En gros, je pouvais le tuer, mais je l'ai pas tué. Bah alors? Mais c'est pas respiré? Vous avez vu ça? Elle a failli me tuer! Vous avez vu ce qu'elle m'a fait? C'est une sorcière! Rien qu'une saleté de sorcière! Qu'est-ce qui se passe? C'est une sorcière! Je vous aurais prévenu! Jodie Holmes, c'est une sorcière! Allez, allez, on rentre à la maison. Allez, dépêche! Je serais le daron, j'aurais mis une reprise de volée. À la maison! C'est comme au bowling! Strike immédiat! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu faisais dans la rue? Tu sais que tu n'as pas le droit de quitter le jardin. J'ai vu les autres enfants jouer. Je voulais juste m'amuser un peu. Qu'est-ce que tu as fait à ce garçon? Tu peux me le dire? Je lui ai rien fait du tout, c'est de la faute d'Aiden. Il essayait de me défendre, il a cru. Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges. Jody, non, celle-là, non, tu m'auras pas volé. Philippe, non! Va dans ta chambre. Allez! Il a un front cousin. Il y a quatre aéroports réunis. Ok! Essaie de dormir un peu, mon cœur. Tout ira bien mieux demain matin, d'accord? Bonne nuit. Maman! J'ai peur que les monstres viennent ici, maman. Ils vont m'attraper. Chérie, les monstres, c'est juste dans ta tête. Je laisse la lumière et la porte ouverte, d'accord? Dors bien, ma chérie. D'accord, donc il y a Aiden, mais il y a aussi des monstres. Et Aiden protège Jody des monstres. C'est très intéressant, ça. Donc là, on va allumer la lumière. Va-t'en, je te déteste! C'est ta faute si mes parents m'aiment pas! C'est ta faute, va-t'en! Sois pas si dur avec elle, Philippe. C'est juste une petite fille. Tu en es sûr? Tu as vu ce qu'elle peut faire? Suzanne, ce n'est pas une petite fille, c'est... c'est un monstre. Ah. Je t'interdis de parler d'elle comme ça! Tu vois bien les choses qui se passent quand elle est là. Ça n'a rien de normal et ça devient dangereux. Pour l'amour du ciel, Suzanne, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'en prendre à nous? Ne sois pas ridicule, voyons! Suzanne, cette chose, c'est comme un animal incontrôlable. On n'a aucune idée de ce dont elle est capable. Il y a un démon qui vit avec nous, juste sous notre toit. Suzanne, il faut que ça s'arrête. Et que ça s'arrête maintenant, avant qu'on perde la raison ou la vie. Nous avons accepté de prendre soin d'une petite fille, Suzanne, mais pas comme ça.
comme ça. D'accord, donc c'est pas mes vrais parents, ok. Je peux quand même rester en esprit. Il y a tellement de possibilités en vrai que ça paraît pas évident de d'avoir cette impression de choisir à chaque fois le bon choix. Ah oui, donc il y a bien des monstres. C'est des monstres ou c'est Aiden, je... J'ai essayé de pas toujours appeler Aiden. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ça zoome. T'as aucune raison d'avoir peur, Aiden. On va tous les deux s'endormir. Et il va rien nous arriver de mal. Jodie! Jodie! Attends, pousse-toi, je vais essayer. Jodie! Est-ce que ça va? Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé, mon ange? Tu m'as dit que les monstres, c'était dans ma tête. Mais ils existent, maman, ils existent! D'accord. Donc, il n'y a pas qu'un ami imaginaire, il n'y a pas que Aiden, il y a aussi des monstres, j'en suis quasi sûr. J'ai été sage, comme 72% des gens. Boîte à chaussures manquée, comme 80% des gens. Mais non, mais je l'ai pas manqué, la boîte à chaussures, c'est compliqué. Sortie du garage à temps. Oui, je suis sorti à temps. La porte ne s'était pas refermée, comme 68%. Et gâteau laissé. Ah, j'aurais pu bouffer les gâteaux, j'aurais pu insister. D'accord. Écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et puis, on se retrouvera pour l'épisode... parce que là, il y a eu deux épisodes d'un coup. Pour l'épisode 6, tout simplement, me semble-t-il. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Non, pour l'épisode 5. Pardon. Allez, bisous, à très bientôt tout le monde. Je dis.